j'espère que vous allez bien. Ah, je suis désolée, on se retrouve avec Blue. Je suis en pleine crise de rire parce qu'en fait elle est en train de m'attaquer depuis tout à l'heure. Et voilà, c'est nerveux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Mais ça va pas. Chut. Tu te rends compte du bruit que tu fais, Blue? Tu te calmes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Primark. Fête de fin d'année, Noël, cadeau de Noël et un concours aussi. J'espère que ça vous fera plaisir. On se retrouve tout de suite, ne bougez surtout pas. Aïe. Ça va pas, non? Ah, j'en peux plus. Arrête. Oh. Ah, j'en peux plus. Ok, donc on va essayer de faire la vidéo tant bien que mal. Et tu vas te calmer, oui. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux gros sacs de chez Primark avec plein d'idées de cadeaux de Noël et aussi plein de petits trucs pour le concours. Franchement, je crois que Primark, ça fait partie de mon top 5 des boutiques que je préfère pendant la période de fin d'année parce qu'ils proposent plein de produits de Noël, plein d'idées de cadeaux, le rapport qualité-prix vraiment super sympa. J'ai vraiment hâte de tout vous montrer et on va commencer du coup par le haul et ensuite on enchaîne avec le concours. Ok, donc madame s'est enfin calmée. Ça va mieux là? Ça y est, ta crise est passée? Merci. Allez, couchez. Hop, gentil, c'est bien. Ok, donc je sais même pas par quel sac commencer. Allez, on va commencer par celui-ci. Et le truc que je vois en premier, hop. Donc ça se présente comme ça. Et c'est un coffret où il y a des pantoufles avec une trousse. J'ai trop craqué sur ce petit coffret que je trouve trop chouette. Il est déjà empaqueté en fait, donc ça fait vachement cadeau déjà. Alors c'est tout rose, tout girly. La matière c'est du velours avec un imprimé léopard rose gold. Et de la petite fourrure en fait sur le bord. Et on a aussi une trousse avec. J'ai trouvé ça super sympa. Je trouve que c'est une idée cadeau trop chouette. En tout cas moi personnellement j'ai ça, je suis trop contente. En fait j'aime trop tout ce qui est rapport avec le cocooning, rester à la maison au chaud, etc. J'aime trop parce que je suis assez casanière en fait. Il y avait aussi la version argentée qui était super jolie aussi. Mais je sais pas, je suis partie sur le rose. Je sais pas ce que j'ai avec le rose en ce moment. Et je trouve ça super sympa. Ensuite on a, je crois que c'est mon coup de cœur en fait, de toute la sélection des cadeaux de Noël. Et c'est l'un des produits que je préfère en fait chez Primark. Et il s'agit des pyjamas, mais pas n'importe lequel. Là pour celui-ci, c'est le pyjama Friends. Moi je suis vraiment ultra fan de cette série. J'ai vu tous les épisodes une centaine de fois. Et tout ce qui a rapport avec cette série, je suis en kiff. Et là il vous mélange en fait Friends avec Noël et le confort. Je crois que ça c'est vraiment le kiff à l'état pur pour moi. La matière, je vous raconte même pas la douceur de la matière. L'imprimé, bah, c'est du Noël avec du Central Perk, des petites tasses de café, tout ça j'aime trop. Et ça a l'air ultra confortable. Donc on a un set en fait où il y a le haut, manche longue avec le bas. Et je peux vous dire que j'ai super hâte de me mettre dedans avec une bonne tasse de cappuccino, de thé, de café, devant un film de Noël, la totale quoi. Alors gros coup de cœur, j'ai pas hésité, mais je vous avoue que j'avais vraiment envie d'en prendre d'autres parce que de toute façon, Primark, pendant la période de fête, déjà en temps normal c'est clair, mais pendant la période de fête, il vous propose de ces pyjamas trop sympas, on a envie de tous les acheter quoi. Et perso, je crois que je vais y retourner pour en prendre d'autres parce qu'il y en avait vraiment des très chouettes. Mais voilà, pour cette fois-ci, j'ai pris celui-là et j'adore. Ensuite, on a un autre classique de chez Primark. Pendant la période de fête, il y a vraiment beaucoup de variétés différentes. Ce sont les mugs. Avec des accessoires en fait à l'intérieur. Et ça j'aime beaucoup le concept. Je trouve ça vraiment super sympa. Je suis tombée sur celui-ci, je trouve juste trop cute. C'est donc le mug avec un petit fouet, avec une petite paire de chaussettes à l'intérieur toute rose, en mode fourrure encore une fois. C'est pilou pilou cette fois-ci. Et là on a trois variétés de chocolat chaud différentes. Enfin je suis désolée mais je trouve ça juste trop mignon. Et comme cadeau, moi perso j'adore quoi. Donc là on a le chocolat chaud barbe à papa, là on a un chocolat chaud classique et là un chocolat chaud au marshmallow. Le petit fouet est trop mignon, la paire de chaussettes elle a l'air trop douce. Ça se présente comme ça et perso j'adore quoi. Que ce soit à offrir ou à s'offrir, parce que perso je crois que je vais le garder pour moi en fait. Ensuite dans la même idée, on a un mug gourmand. Encore une fois, je vous ai dit, il y a énormément de variétés de mugs différents avec plein de propositions différentes. Celui-ci je l'ai adoré parce que d'une part j'adore la couleur, ça fait vachement Noël, ça fait cadeau aussi. C'est trop cute. Il y a un petit pompon là, je sais pas si vous l'avez vu, que je trouve très sympa. Il y a écrit ici Cozy Winter, c'est tout rouge avec des petits carreaux, j'adore le design. Et là en fait on a un vrai gros mug en céramique. On a un mix pour chocolat chaud et ici on a un tout petit paquet de marshmallows. C'est vraiment pour faire le vrai chocolat chaud classique à l'américaine avec le chocolat, les marshmallows dessus qu'on se fait en fait en période de Noël quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore le design, je trouve que l'idée est très sympa et à offrir ça peut être très chouette. Bah on va continuer avec les mugs en fait et là on a un truc complètement à l'opposé mais très sympa aussi, le Grinch.
C'est vraiment un classique de Noël, un classique de chez Primark aussi. Tout le monde n'aime pas, mais je trouve ça super sympa. Alors c'est le truc beaucoup moins girly qu'on peut tout à fait offrir à une fille ou à un garçon. Peu importe, parce que le Grinch c'est un classique de Noël aussi. Personnellement, moi j'adore, et j'ai adoré le film aussi d'ailleurs. Et je l'ai trouvé sympa aussi, c'est pareil quoi. Là c'est beaucoup plus simple, c'est un petit mug avec sa paire de chaussettes. Et je trouve ça super sympa encore une fois. Un autre truc super mignon, qui pour moi en fait fait partie des meilleurs cadeaux qu'on peut offrir de chez Primark, que moi personnellement j'adore, chaque année ils en proposent plein de différents, des super sympas, c'est les petits coffrets comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon celui-là, je vous raconte même pas le coup de cœur que j'ai pour ce truc. Hop, donc ça se présente comme ça, donc c'est un coffret cadeau où on a un pyjama avec souvent un accessoire. Donc là on a une paire de chaussettes comme accessoire, c'est la version Winnie l'ourson. D'ailleurs leur collection Winnie l'ourson cette année chez Primark est juste trop mignonne. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a du Mickey, de l'Aristocha, il y a encore du Harry Potter, etc. Comme d'hab en fait, avec plein de versions différentes, c'est confort, c'est mignon, on a juste envie de plonger dedans en fait. On a un bas en mode pilou pilou, le haut aussi, ultra doux. On a un petit détail ici en mode un peu mouton. Et on a la paire de chaussettes, je vous raconte pas la douceur du truc quoi. Personnellement, moi j'adore ce genre de cadeau, ça fait toujours plaisir, c'est super mignon et c'est super utile. Ensuite on va rester dans Disney et là on a une version Mickey. En fait ce que j'adore chez Primark c'est qu'ils proposent souvent des produits dérivés de différentes séries, différents dessins animés. Et c'est souvent super mignon. Et là en fait on a un produit ultra ultra original. Alors c'est un kit de pancake avec la petite poêle en forme de tête de Mickey. Trop sympa, trop mimi. Et on a le mix pour pancake aussi. Et à mon avis on peut aussi l'utiliser par exemple pour faire cuire des œufs au plat ou des crêpes. Enfin voilà, vraiment super sympa, trop mignon. Et pareil je trouve ça assez original et quand même plutôt utile. Ensuite un autre coffret que j'ai trouvé super chouette aussi, super utile pour l'hiver etc. Pour la période en tout cas. C'est ce petit kit. Alors c'est une petite bouillotte trop mignonne avec un espèce de pull en laine. Ça fait vachement col roulé en plus, avec deux petits boutons, je sais pas si vous les voyez, c'est trop mignon. Elle est plutôt petite donc c'est assez pratique. Et on a avec deux petites boîtes de thé. Donc on a un thé à la fleur de calendula et un thé à la camomille. Alors ça c'est vraiment le truc pour se mettre sous son plaid le soir en mode détente, cosy. Alors ça c'est pareil, je trouve que c'est un cadeau super sympa, gros coup de cœur, j'adore. Et enfin, alors ça je suis trop contente d'être tombée dessus parce que c'est le truc que je surkiffe, c'est un petit set où il y a plein de variétés de café cappuccino on va dire différentes. Et ça je peux vous dire que je suis en kiff. Donc on a 9 variétés de cappuccino différentes. Moi qui suis folle de cappuccino en ce moment, c'est vraiment tous les jours. Alors on a la version vanille, noisette, Irish cream. On a le caramel beurre salé, le latte, le pain d'épices, on a quoi, le pumpkin spice, ça c'est trop top, j'adore pour la période de fin d'année. On a la menthe poivrée aussi et enfin le toffee que j'adore aussi. Ça c'est vraiment des variétés qu'on trouve pas tout le temps et partout, donc c'est plutôt sympa à tester. Pour les personnes qui aiment les cappuccinos en tout cas, je trouve ça super sympa comme cadeau. Et moi perso c'est mon cas, donc je suis super contente d'être tombée dessus. Et pour être honnête, ça c'est pour moi. Voilà, donc vous avez vu toute ma sélection de cadeaux de Noël que j'ai trouvé chez Primark. Et il y en a plein d'autres, hein. Franchement, chez Primark, de toute façon, c'est un petit peu la caverne d'Alibaba pour les cadeaux de Noël en période de fin d'année. Et du coup, bah maintenant, on va passer directement au concours. Alors pour ce concours, j'ai fait une petite sélection. J'espère que ça vous fera plaisir. Et d'ailleurs, en fait, il y a des trucs qui peuvent carrément faire cadeau de Noël aussi. Donc vous allez voir en fait tout de suite. Donc on va commencer par le premier produit que je vois. Hop, c'est un petit coffret qui se présente comme ça. Donc c'est un petit duo de vernis à ongles en fait. Je vous l'ai déjà dit en fait plusieurs fois, j'adore les vernis de chez Primark. Je trouve qu'ils tiennent vachement bien, la qualité est plutôt sympa, surtout par rapport au prix. Et là j'ai trouvé que le coffret était super mignon, ça fait cadeau aussi, ça fait Noël. Alors on a une couleur qui est très très foncée, c'est un espèce de bordeaux nacré qui fait vachement fête de fin d'année, soirée, ou qu'on peut aussi porter en journée sans aucun problème. Et le deuxième vernis qu'ils ont mis avec, c'est un espèce de vernis beige blanc cassé qui est très très joli, pailleté, avec plein de paillettes de couleurs différentes, un peu nacré aussi. Je trouve vraiment super sympa. À mon avis on peut les porter séparément ou ensemble, ça peut faire très joli aussi. Donc franchement super sympa quoi. J'adore. On va rester dans la beauté. Et on a une palette. Et celle-là, que je la trouve super intéressante, vous allez voir. En fait, c'est une palette pour le visage où on a 3 fards à paupières. On a 2 blushs, on a un bronzer et on a un highlighter. D'ailleurs, ça me fait vachement penser à une palette que j'ai de chez Charlotte Tilbury. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop. Donc ça se présente comme ça. Et là, en fait, on a 3 fards pour les yeux au-dessus. Donc on a une couleur claire, on a un marron foncé bordeaux. On a 2 blushs, donc un dans les tons rosés, un autre dans les tons un peu terracotta, un peu pêche foncé.
On a le bronzer et le highlighter. Je sais pas si vous voyez, je trouve que la palette est vraiment très très chouette, assez complète, vraiment super sympa à transporter. Elle est compacte aussi, elle est légère, le packaging est plutôt sympa. Donc certes on n'a pas de miroir, mais je la trouve dans l'idée ultra intéressante. Après j'ai jamais testé le make-up de chez Primark. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, qu'on sache un peu. Mais pour tester du coup, je crois que je vais vite aller chez Primark pour en récupérer une avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'elle est vraiment super jolie et ça me donne trop envie. Top. Ensuite on va rester dans le make-up, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mettre du make-up toi aussi? Arrête. Donc on a un petit kit qui s'appelle le Humber Edit, où on a 4 mini rouges à lèvres, donc c'est des rouges à lèvres liquides, semi-mat, les couleurs sont juste magnifiques. Donc on a 4 tons nude, assez foncés quand même, mais pour l'automne et l'hiver c'est vraiment super chouette, très très sympa, top. Ensuite, attendez, j'essaie d'en attraper deux en même temps, hop. Donc on est toujours dans le make-up et on a 2 types d'éponges pour le visage. Donc on a la version Winnie l'ourson qui est juste trop mimi, et là c'est la version en fait nettoyante pour le visage. Et on a la version mini, et là on a des éponges pour make-up, pour le fond de teint, c'est en mode un peu beauty blender, avec l'empreinte Mickey ou Mini en fait d'ailleurs juste ici. Après je connais pas du tout les éponges chez Primark, je ne sais pas si elles sont efficaces ou pas, du moins par rapport au Beauty Blender, mais à tester, je trouve ça assez chouette et super mimi surtout. Ensuite on va rentrer dans le confort et je sais pas par quoi commencer en fait. Allez, on va commencer par ça que j'adore aussi. Donc évidemment pour le concours je vous propose aussi un mug, donc c'était obligé, c'est l'un des trucs que je préfère chez Primark, donc j'étais obligée de vous proposer aussi pour le concours. En fait il ressemble un peu à celui-là, hop, à celui-ci, mais j'ai préféré celui-ci tout simplement pour son détail petit pull. Je viens de m'acheter en fait il n'y a pas longtemps, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, un mug justement exactement comme ça de chez Carrefour, avec un petit pull quasiment pareil, sauf que moi j'ai pris la version gris et blanc. On a aussi comme pour l'autre le petit kit pour le chocolat chaud, donc on a le mix chocolat chaud et on a les petits marshmallows aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est vraiment un coup de cœur pour moi. D'ailleurs si j'avais pas pris celui de Carrefour juste avant, je l'aurais carrément pris pour moi aussi. Ensuite un autre produit que j'adore, produit phare pendant les périodes de fin d'année, Noël, etc. chez Primark, ce sont les chaussettes de Noël. Et franchement la version là, je l'ai trouvé trop sympa. Je trouvais que ça allait super bien en fait avec le mug et son petit pull. Là franchement si on n'est pas dans l'ambiance Noël, je sais pas où on est. Non mais c'est pas trop mignon, je trouve ça trop trop sympa en fait. Et les chaussettes je les trouve trop mignonnes aussi. Donc on a la version imprimée blanche et rouge avec 2 petits pompons, et on a la version toute douce en mode un peu velours avec une petite fourrure juste en haut, que je trouve très sympa aussi. Et enfin un incontournable pour moi en hiver, c'est la fameuse bougie. Et celle-là elle est trop jolie, je l'ai trouvée super belle en fait. Elle est toute rouge avec un rebord doré, ça fait vachement fête de fin d'année, ça fait vachement Noël encore une fois. Je suis vraiment restée dans le thème Noël faut dire, mais c'est le but quoi, c'est une fois par an et voilà, ça fait plaisir. Et en fait elle sent juste super bon. Là je suis juste en train de la tourner et je sens mais grave l'odeur, ça sent trop bon. Et ils disent que ça sent les épices d'hiver, et franchement ça sent genre le pain d'épices, un truc comme ça, j'arriverai pas trop à vous le décrire, mais ça sent trop bon quoi. Et elle a une durée de combustion de 30 heures. Et ça c'est vraiment un produit moi que j'adore en hiver et en automne. Je trouve ça réconfortant et ça fait du bien, et j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, vous avez vu toutes mes petites idées cadeaux de chez Primark, et aussi la sélection que je vous propose pour ce concours. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc le concours commence aujourd'hui, il finira dans une semaine et j'annoncerai le nom de la personne qui aura gagné lors de la vidéo suivante. De toute façon je contacterai le ou la gagnante directement après. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à moi. On se retrouve en commentaire et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Mouah ! Salut !